à Pâques et territoire du patrimoine autochtone et communautaire du Bénin, à la découverte des valeurs culturelles et cultuelles des peuples Batombo en République du Bénin. Conception et réalisation, Souleymane Sinan. Le départ d'un être âgé est certes une douleur, mais reste une joie auprès des petits-fils, des arrière-petits-fils, car l'être qui part a laissé de progéniture qui pourra continuer ses œuvres salvatrices. Chants et danses accompagnent les cérémonies de l'enterrement du bâtonneau autochtone. Plusieurs raisons sont évoquées pour exprimer ces chants et danses. Peut-être l'une des raisons qu'on évoque est liée du fait qu'à la naissance du défunt, chants, danses, les activités festives sont remarquées quand ce dernier vient au monde. Et ce tact est reproduit au moment où ce défunt est en train d'être enterré. Chants et danses, les activités festives sont remarquées pendant l'enterrement du peuple autochtone Batombo lors de son enterrement. L'acte qui fait aussi réfléchir est la forme qu'on donne au cadavre ou à la dépouille du défunt. Il est remarqué que la dépouille du défunt a une forme courbée. Selon les avis recueillis de plusieurs Batombo autochtones, cette forme reflète la position qu'adopte le bébé quand il est dans le ventre de sa maman. Et cette position est répété au moment où le défunt est dans son tombeau. La forme de la tombe du bâtonneau autochtone, dans un regard plus profond, est représentée comme une forme de puits, de forme carrée, dont nous avons une chambre à coucher. Cette chambre à coucher est le lieu de repos des puits. La chambre à coucher représente le dortoir du défunt. La chambre à coucher représente la position du fœtus dans le ventre de sa maman. Une linceul noire accompagne le défunt. La raison évoquée est liée à la couleur du placenta à l'intérieur du ventre du bébé qui naissait. Tout ça laisse un désir. Tout ça laisse une grande réflexion pour pouvoir comprendre la philosophie qu'incarne la vie d'un être humain, surtout du bâtonneau dans son milieu de vie. Sous
Après qu'on ait mouillé du sable, petits-fils et petites-filles, cousins et cousines du défunt se précipitent pour être le premier à verser du sable sur la tombe du défunt, signe d'être le premier à avoir enterré l'oncle ou le grand-papa selon sa position. Toute une fierté pour la vie qu'a menée le défunt. C'est après tout ceci commence l'enterrement proprement dit. Le chef d'enterrement est le premier à exécuter pas et danse, signe de réjouissance, offrande d'argent, suit en vue d'exprimer la richesse et l'héritage infini qu'a laissé le défunt. Il n'est pas aussi facile de contenir les larmes des enfants directs du défunt, car pour eux, papa s'en va en laissant un grand vide dans leur cœur. Tout ceci se passe devant parents et alliés. Un grand mystère, une philosophie à méditer. Chaque peuple a son histoire et la conservation de son histoire est signe de richesse, est signe de gratitude, est signe de développement. Car aucun peuple ne pourra se développer sans sa culture, sans ses valeurs ancestrales, endogènes, culturelles et cultuelles. Après qu'on ait mouillé du sable, petits-fils et petites-filles, cousins et cousines du défunt se précipitent pour être le premier à verser le sable sur la tombe du défunt, signe d'être le premier à avoir enterré l'oncle ou le grand-papa selon sa position. Toute une fierté pour la vie qu'a menée le défunt. C'est après tout ceci commence l'enterrement proprement dit. Le chef d'enterrement est le premier à exécuter pas et danse, signe de réjouissance, offrande d'argent, suit en vue d'exprimer la richesse et l'héritage infini qu'a laissé le défunt. Il n'est pas aussi facile de contenir les larmes des enfants directs du défunt. Car pour eux, papa s'en va en laissant un grand vide dans leur cœur.
Tout ceci se passe devant parents et alliés. Un grand mystère, une philosophie à méditer. Chaque peuple a son histoire.